Dans un couple, il y a une chose qui arrive à faire mal aux deux partenaires, que ce soit l'homme ou la femme, c'est l'infidélité. Alors l'infidélité a 3 degrés. Le tout premier degré, c'est l'infidélité physique. Vous avez cet homme-là qui aime énormément sa femme, mais cela ne l'a pas empêché d'aller commettre une infidélité dehors. Mais il protège sa femme. L'autre infidélité, le deuxième degré, c'est l'infidélité mentale. Vous avez cette femme-là qui est dans votre foyer, mais dont l'esprit est ailleurs. Elle rêve d'une autre personne. Même lorsque vous êtes en intimité avec elle, elle ne rêve que, pour se retrouver, elle ne rêve que de cet homme-là. Et l'autre infidélité, c'est la dernière et la plus grave, c'est l'infidélité physique et mentale. À ce niveau-là, même si vous lui versez de l'eau chaude au corps, il ne va pas cesser de le faire.